Les deux jours de réflexion et de dialogue autour des référentiels d'évaluation de la qualité des services publics a connu son épilogue ce vendredi 19 avril 2024. Des décisions importantes sont prises lors de cette conférence. Durant deux jours, les participants ont mis en évidence la problématique de l'offre de services publics, de la redevabilité et de la qualité de services publics. Des synthèses de travaux et des recommandations ont été faites. En choisissant de mener des réflexions autour des référentiels d'évaluation de la qualité des services publics dans les secteurs de l'eau, de l'éducation et de l'état civil, nous avons opté pour une approche de complémentarité et de synergie en tous les acteurs engagés dans la lutte pour le respect des droits des citoyens, notamment les porteurs d'obligations, les détenteurs de droits et les institutions de régulation et de contrôle, en vue de la systématisation de la demande et de l'offre de redevabilité et pour une efficacité des institutions de la République. Pour les participantes et les participants représentant l'offre et la demande de redevabilité, vos interventions et amendements pertinents et bien appréciés constituent des contributions essentielles et importantes quant à la finalisation des référentiels. La coopération suisse qui accompagne cette conférence à travers le programme de redevabilité n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction au terme de ces deux jours d'activité.